Nous voici transportés sur un rivage marin dans un bois de citronniers par un matin de soleil et de joie. La féerie tout de suite apparaît à nos yeux, car les branches des arbres sont couvertes à la fois de fleurs et de fruits. Nous ne nous étonnerons plus dès lors qu'une galère dorée soit amarrée à la rive. Sa proue s'orne d'une figure de cypris. Ses voiles sont peintes de colombes et c'est une échelle de lumière qui descend du navire au sable de la grève. Tel est le bâtiment dont Oberon, roi des elfes, s'est constitué le capitaine. Pour ce faire, il a d'Eros emprunté l'apparence et le langage. Son but est Cythère. Ses passagers sont tous les couples d'amants heureux. Et le bel équipage constitué par les amours invite chacun au départ.